utilisez pas votre taser pour... Excuse-moi, le film commence. Chut, Java. Java, j'ai coincé. Tais-toi. Chut. Mange moins fort. Oh là, au fond. Ouais, pardon. Mais ça... Eh, hey, c'est mon anniversaire! J'ai 17 ans, je commence à travailler sur Priax! C'est vrai! Incroyable! Appartement Daniel. C'est pas vrai, je m'appelle pas Daniel. Home sweet home. Ok, très bien. Je comprends vraiment pas, il y a quelqu'un qui joue du piano dans les toilettes depuis tout à l'heure, ça me stresse. Je ne sais pas, c'est super beau, je dis pas le contraire, mais... Mec, les toilettes puent comme d'habitude. Oh. Je sais pas si ça pue tant que ça, mais en tout cas c'est... C'est beau. Peut-être qu'il jouait debout. Sophie, ça m'a pris des années pour sortir ces photos. Les petits bruits de pain. Rempli de divers trucs, mon appartement est clairement trop petit. Il paraît que si tu mets tes affaires dans des gens, c'est encore plus petit. Stéphane Sébastien Usher, l'auteur de fiction historique, il a vendu son dernier roman. À 4 millions d'exemples. Désolé à tous les Romains, bien sûr, évidemment. Ça fait beaucoup trop de Romains sur Terre, je trouve. Ma collection de vinyles des années 80, peut-être le mois prochain, je pourrais me payer les étagères pour l'y poser. Et je rachèterai quelques Romains. Ok, il y a un truc. Non, c'est une lampe, très bien, parce que je me suis demandé à quoi ça ressemblait. Après, mon esprit est un peu... Voilà. Plutôt un mode après-midi en fait, le genre d'après-midi que mon patron aime gâcher avec une de ses putains de missions. Ok. J'ai acheté ce chapeau après avoir vu Les Intouchables. Il y a environ 10 ans. Avec Omar Sy. Et genre ils sont plusieurs, ils font une course de... chaise de fauteuil en... Genre c'est le 2. J'étais pas au courant. Style, ça a bien marché hein. Je ne sais pas où les mettre. C'est m'étonnerie qu'ils rentrent dans l'armoire. C'est le Snyder Cut avec Omar Sy. Oh, crikey, seriously? Ah, seriously? Oui. Fin. Hello, Daniel. It's me, Etienne. Hey, we've got a bit of a major emergency going on. On a un gros problème urgent. Tu rigoles, vendredi soir, il y a une urgence. And there's an emergency. This is serious business. C'est une affaire sérieuse. Sébastien Usher est introuvable. Son manuscrit aurait dû être transmis au bureau mardi. Il ne répond pas au téléphone. Il ne s'est pas présenté à son bureau à l'université. Il a disparu sans laisser de traces. Même dans ses vêtements, ne te fous pas de moi, Étienne. Appelle lundi, envoie-lui un courrier. Tu es arrivé chez moi il y a 5 minutes, je dois assister à l'événement d'Albert dans une demi-heure. Par ailleurs, tu es... Et qui dit par ailleurs en parlant vocalement? Oralement, personne ne dit par ailleurs. Allez mec, plus vite tu t'y rendras et plus vite tu pourras rentrer chez toi. Tu me devras une bien grosse faveur.
Tout ce que tu voudras. Note ça. 704, route Abbottomar, dans le vieil ensemble résidentiel situé au long de l'autoroute EB15. EB15, bon, juste au milieu de nulle part. J'envisage de prendre quelques jours de vacances. Après ça. Quelques jours de... Eh bien, nous en reparlerons une fois sur place. Et s'il te confie le manuscrit, ne le montre à personne. Au moins, essaie de ne pas le vendre au plus offrant. Ok. J'improviserai. Je t'appelle à mon retour. Merci, Dan. Tu me tires une belle épine du pied. Je crois que c'est un manuscrit. Un autre putain de vendredi. Je suppose qu'ils sont trop un but d'eux-mêmes chez Wake Publishing pour venir personnellement prendre des nouvelles de ce bon vieux Usher. Shit. Tu devrais peut-être être trop important pour ça. Voilà, me plaindre. Passer de ma situation d'ivrogne ruinée à celui de garçon de cours, c'est en soi une amélioration. Si seulement les choses s'étaient mieux passées pour la société, ou si j'avais arrêté de boire plus tôt. Damn, Sophie a fait le bon choix en divorçant. J'aurais divorcé aussi à sa place, sauf que je suis pas à sa place, je suis à ma place. Du coup, j'ai pas divorcé. Du coup, elle a divorcé, c'est nul. Daniel Noyer. Eh bien, garde la tête haute. Il s'agit de Daniel Noyer, le putain d'ex-alcoolique après tout. Employé de Wake Publishing le jour et laqué de Wake Publishing le soir, surtout les vendredis. Je te dis pas ce qui se passe le mercredi. Et si je pouvais trouver Usher, j'ai le sentiment que mon statut dans la société en serait grandement amélioré. Après tout, c'est la plus grande vedette de la maison d'édition. Croisons les doigts et espérons qu'il est à la maison. EB13, 15, combien? Je ne sais plus. Vroom vroom vroom, vroom vroom, iiii, vroom. Iiii. Prélude. Un vendredi pas comme les autres. Pas être ouvert une porte. Je suis d'accord. Non, non, non. Non, 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 je ne veux pas y aller. Non, 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 c'est non. Non, 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 non. Faut y aller maintenant. Encore 5 minutes. Oh, puisque ça, je rentre chez moi. Un tricycle, je savais pas que Cher avait des enfants. Mais arrêtez de juger ça. Pourquoi est-ce qu'il pourrait pas, lui, avoir un tricycle à lui? Pourquoi prendre la porte de côté alors que je peux prendre la porte... Enfin, je trouve ça génial. Moi, ça me fait tellement... Je trouve ça tellement génial. T'as une option qui apparaît, tu sais pas ce que c'est comme option. C'est juste... T'as une option, c'est... Pourquoi tu veux te barrer? Mais non, je vais pas me barrer, je veux juste savoir ce qui se passe. Non, mais si, tu voulais te barrer. Mais non, tu m'accuses de rien. Bah si, je t'accuse de ça parce que t'es là. Oui, mais parce que je savais pas ce qu'il y avait là, il y avait une option. Bah t'avais qu'à pas venir, t'avais qu'à l'activer. Bah oui, mais je l'ai activé pour savoir ce que c'était. Mais si tu savais ce que c'était, bah quoi, tu serais pas... Alors pourquoi tu veux te barrer? Oh non. Un journal, l'assassin qui a arrêté la semaine dernière, est en première page. Hello. Hola. Qu'est-ce que t'as? Is that music? Est-ce un... Et la musique? Attends, j'ai un œil. Toutes les personnes ont leur propre source de lumière. Pour l'éteindre et l'allumer, appuyez sur RT. Ok, ça va. J'ai. Quand elle est allumée, vous pouvez choisir la direction. Bah, déjà, j'aime pas ça. Déjà, j'aime pas ça. Déjà, quand on a fini le visage pour la 40e fois, déjà, le coup des bougies, on n'avait pas aimé ça. Enfin, quand allumé, vous pouvez choisir la direction dans laquelle vous dirigez la lumière. Très bien. Cela vous permettra d'éclairer les zones spécifiques et vous aidera aussi à interagir avec des objets qui ne sont pas forcément face à votre personnage. Ok, votre source de lumière ne s'épuisera jamais. Utilisez autant. Oh, très bien. Oh. Ok. Est-ce que quelque chose joue de la musique? Ben non, parce que sinon il n'y aurait pas de musique!
en 2000. L'horloge indique midi. J'imagine qu'il faut la réparer. Ok. Je pense que le moins c'est interdit. L'alarme a été désactivée. Encore mieux, si elle se déclenche, je vais devoir m'expliquer. C'est une bonne nouvelle que l'alarme soit désactivée alors que je suis arrivé et que la porte était ouverte. C'est vraiment chouettos. Et beaucoup mieux depuis que j'ai arrêté de boire. Mais je devrais sans doute y aller doucement, je veux pas tout gâcher. Bon, encore. Non, non, non plus, je vois pas ce qui pourrait arriver d'affreux maintenant. Bon, l'arme a été déloquée. Non, la musique ne vient pas d'ici. Comment tu sais pas ouvrir la porte? Ça fait beaucoup de vêtements. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il y a quelqu'un. Un coup, il dit il a des enfants parce qu'il a un tricycle. L'autre coup, il dit il y a beaucoup de personnes parce qu'il y a beaucoup de vêtements. Et pourquoi est-ce qu'il y aurait pas... genre juste quelqu'un qui fait du tricycle avec beaucoup de vêtements, tu vois, pour être sûr. Parce que s'il fait du tricycle, c'est qu'il sait pas faire du vélo, tu vois. Sinon il ferait pas du tricycle, sinon il ferait du VTT. Donc il a un tricycle et donc il a beaucoup de vêtements. Et s'il a beaucoup de vêtements, c'est pour pas se faire mal en tombant. Donc il met des surcouches. Sinon, tu vois, c'est... moi je devrais être enquêteur à sa place. Lui il se prétend enquêteur, moi je sais, tu vois. Le chat est beaucoup sur ses photos. Le reste... doit être sa famille, j'imagine. C'est bizarre que font toutes ces valises ici. Ben oui, c'est bizarre comme... il est vraiment... moi, ça me fait penser à Devil May Cry, hein, en termes de... de direction, de gestion. La caméra... oh. Ça vous rappelle rien, Vitoff, dans l'intro, avec cette histoire de boîte à musique? Voilà, je sais pas si personne... j'ai vu personne d'en faire mention, mais... j'ai vraiment l'impression. Ça y est, percute. Un jeu d'échecs, ça correspond bien à l'aspect d'un télo de cette maison. Ouais, c'est tellement... clichéx. Il y a autant de personnes dans la maison, c'est pas étonnant que personne n'ait répondu aux appels téléphoniques. Non. C'est juste une maison de droite. Tous ces livres ont été écrits par Usher, ça doit être les premières éditions. Ah, beaucoup de romains par là. Ok, très bien. Petit détail donc qu'on voit complètement effectif. C'est qu'il faut, avec la lampe, braquer en haut comme ça pour activer l'option. Sinon, c'est pas possible. Cette tête de cerf est presque aussi grosse que... ouh, quel ego énorme! Des magazines d'art et d'histoire. Je n'ai rien contre ces magazines, mais je parie qu'ils sont chiants comme la mort. Tu sais, il y a certains endroits du web qui sont comme des magazines. Cette plante est à peine vivante, ou pas. C'est quand la fois où ils l'ont arrosée? Vu l'état de la plante, je dirais qu'elle est arrosée normalement, en fait. Mec, tu t'y connais genre rien du tout, mais rien, mais... je préfère Rick Hunter. Et pourtant, il n'y connaît rien non plus, tu vois. Quelle beauté, ça doit faire le bruit d'un ange. Il sait ce que fait le bruit d'un ange? Parce que ça se trouve, les anges, ça coûte du métal... et ça fait des... je sais pas... des bruits de paix avec le plat de la main sous l'aisselle, tu vois. Qu'est-ce qu'il en sait? Bah rien. Je suis un ange et je confirme. Fruits décoratifs, une porcelaine qui a l'air chère. J'espère qu'ils ne veulent pas que les gens pensent qu'ils sont pauvres. La table est mise, mais elle est recouverte de poussière. Où est passé le monde? C'est quoi ça? Bon, je vais pas aller là, je vais d'abord voir... quelque chose sur cette poignée. Totalement, ouais. J'ai trouvé un objet consultable. Examinez-le pour obtenir des informations en appuyant sur A. Pour examiner le dos de la feuille, appuyez sur R. Ok, ok, pour faire le tourner. Vous pouvez accéder à tout moment à votre inventaire aux documents collectés en appuyant sur... ok, très bien. LB... ah ouais, très bien. J'ai. Voilà, ça c'est pour inspecter de manière très sereine et pas stressante, tu vois. Cher Sébastien,
comment vas-tu? Pour être tout à fait honnête, je dois avouer que nous attendons tous avec impatience ta dernière heure. Mon cher ami, je dois te demander une faveur. Tu trouveras joint à cette lettre l'un des derniers articles que nous avons achetés à la boutique. Une boîte à musique ornée de gravures fascinantes. Le savoir-faire est étonnant, mais quelque chose d'autre a attiré mon attention. Ou peut-être devrais-je dire que ça a captivé mon ouïe. La mélodie, Sébastien. Elle est curieuse. Tu dois l'écouter aussi. Je n'avais encore jamais entendu ce morceau. Mes tentatives pour trouver la partition, entre parenthèses ou le nom du compositeur, ont été vaines. Je n'arrive plus à me sortir cette mélodie de la tête. Moi, j'ai l'impression que j'ai quand même très bien réussi à faire le côté obséquieux. Pourrais-tu m'aider à trouver des indices de cette boîte mystérieuse mélodie? Je t'en serai reconnaissante à jamais. Avec mes vœux les plus chaleureux. Isaac. PS. J'ai également joué les magas. On dirait c'est les petits... les petits astérix, tu vois. Ok. J'ai également joué malgré les informations que j'ai pu réunir autour de la dite boîte. Lettre adressée à route à Botoma. Ok. On est vraiment dans du didactique là pour l'instant. Ouh. What the? How can there be a door there? Il peut y avoir une porte ici. Mais. C'est de la déco. Et pas du tout inquiétant. Voyons, pourquoi ce serait inquiétant? Une porte avec une sorte de feutre noir qui bouge autour. Cette radio doit être plus vieille que moi. Et contrairement à toi, elle n'était pas alcoolique. Est-ce que ce sont de vrais fusils? Ah. Wouah, ce mec aime bien chasser. Sophie aurait une attaque si elle voyait ça. Double kill! Est-ce que je vais explorer ou genre je vais voir directement le... Ouvre la porte. Ça se voit que c'est pas toi qui ouvre la porte. Toi tu t'en bats les steaks tellement... Dans le chat ils s'en foutent en fait. Hein. Mais total ils sont là, ouvre la porte, tweet, fonce, des ténèbres, de la mort, torture. Ils s'en foutent total, c'est pas toi qui tiens la manette. C'est clair. Allez. Pas de personnalité. Bien sûr. Super! Je vais à peine faire un pas comme un con! J'ai entendu la porte se fermer derrière moi. Quand je me suis retourné, la porte avait disparu. Il n'en restait qu'une étrange ombre sur le mur. J'ai cherché, j'ai désespéré et j'ai crié. Perdre la voix. And I screamed until my throat began to burn. The candles started to run. Les bougies ont vite commencé à fondre, les piles de ma lampe de poche se déchargeaient. C'est faux, c'est pas ce qu'ils ont dit dans le didactique. Dans les ténèbres les plus suffocantes, les heures passaient, se changeant bientôt en jours. J'ai commencé à dormir d'un sommeil agité, sans deck. J'entendais des voix parfois juste à côté de moi. Right next to RT. De soi à quelques mètres de moi. Pouce bleu, abonne-toi. On aurait dit qu'il venait de l'autre côté du mur. Desperate cries, howling in horror. And sometimes, et parfois, pire que tout, un silence vaste et oppressant prenait place. La modération semblait émaner de partout, d'une part à la fois. Et personne là-bas, juste des hallucinations, des cauchemars, des primes, un néant noir et la chanson de cette boîte à musique. Pris au piège en cet endroit indicible, je me demandais si j'allais y laisser la peau.
Étienne, do you have any news on Daniel yet? Bonjour Étienne, vous avez des nouvelles Sophie? De Daniel? Oh Sophie, non, nous devons appeler chez lui toute la journée sans aucune réponse. Do you know if he's got a mobile phone? Savez-vous s'il a un téléphone portable? Non, je ne pense pas. S'il en a, ne le garde pas souvent envers lui. Il était alcoolique, vous savez. Je pense qu'il me faudra passer chez les Usher en attendant ici voir s'ils ont des nouvelles. Usher? Écrivain? Oui, j'ai envoyé Daniel là-bas vendredi. Je n'ai plus de nouvelles depuis lors. Quelle adresse? Eb 15. Si je ne trouve pas, je peux aller me renseigner sur lui et aller dans un placard avec une sorte de pétrole vivante à côté. Je suis en route. C'est faux, t'es encore dans mon bureau? Sophie Van Den... Vandenande. Source de lumière. Bougie. La vie a souvent mis Sophie à l'épreuve, mais elle s'en est toujours sortie. Grâce à son extraordinaire persévérance, elle a trouvé la force de mettre fin à son mariage avec Daniel. Sophie, qui dirige une galerie d'art bien connue, profite désormais de la prospérité dont elle a toujours rêvé et surtout de beaucoup d'argent parce que son mari était alcoolique et qu'il dépensait tout dans les supérettes. Bougie parfumée. Dès que je m'en allume une, tout autour de moi semble plus sûr, plus apaisant. Sophie. Si elle connaissait le Febreze. Oh, on peut jouer plusieurs persos, ok. Très bien. Étienne, un self-made man, confiant et directeur des ventes de Wake Publishing, faisant de lui le superviseur direct de Daniel. Dans son rôle d'assistant personnel, Daniel est devenu une sorte de garçon de course, mais Étienne lui donne de plus en plus de responsabilités. Même s'il adore se plaindre de travailler ensemble, ils se sont attachés l'un à l'autre, développant une amitié en dehors du travail qu'aucun des deux ne veut reconnaître. Dossier de notes. Le secret pour se rappeler les choses importantes, c'est de les écrire. Mais surtout de ne pas les oublier. J'y avais pas pensé. Oh. Wouah ! Attends, 3 jours plus tard, ok, très bien. J'ai cru que c'était 3 ans, 3 jours plus tard. Un tricycle, il doit avoir beaucoup d'enfants. tout ce qui arrive, tu vois. Attention, attention. Un tricycle qui doit appartenir à un petit garçon. Mais arrêtez ! Mais pourquoi c'est pas Usher qui l'utilise ? Et pourquoi un garçon ? Pourquoi pas une fille ? Sans deck. Pourquoi pas un chat ? C'est vrai, j'ai un chat et il utilise régulièrement un tricycle pour aller faire les courses. Ok, ben... Je viens de découvrir qu'on peut courir. Je vis n'importe quoi. Journal date. Je pouvais choisir d'y aller soit avec Sophie, soit avec lui. Du coup. J'ai l'impression. Que dans le menu, lorsqu'on passait de Sophie à Étienne, eh bien, on pouvait choisir de jouer soit Sophie, soit Étienne pour aller enquêter dans la maison. Du coup, j'ai pris Étienne parce que j'ai pas fait exprès. Alors qu'elle avait dit qu'elle était en route, elle a menti depuis le début. Très vieux, je l'aime bien. Je n'achèterai pas pour chez moi. Ok. Il y a un manteau de plusieurs chats et plusieurs chapeaux. Pas notre commande de système de sécurité désactivé. Écoutez, je vais. Ok. Non, il y avait d'aller voir directement en fait. Je vais écouter mon cœur. C'était pas la femme de chat, les champions d'échecs? Je crois qu'elle en a parlé un jour. Je doute que beaucoup de gens aient un piano à la place d'une télévision dans leur salon. C'est faux. Moi, je demande dans le chat qui a un piano à la place de son écran d'ordinateur.
en ce moment. Pas vraiment des fruits, mais ça a l'air plutôt réaliste. On pourrait pas ouvrir sans la clé ? Tricheur. Une clé ? Ça couille, non ? Boîte de lumettes, une boîte d'allumettes ordinaire, utilisée, inspectée, combinée. Je vais pas combiner la boîte d'allumettes avec la maison, juste pour voir, pour tester ce que ça fait. Parce que je me dis, c'est peut-être la solution, hein. Parce que si on fait ça, peut-être qu'on peut directement accéder à la cave et sauver. Bon, il l'a quand même pris, c'est bien, c'est une bonne chose. Tout est propre et net, mais poussiéreux. Usher n'en est-il pas une femme de ménage ? Ben peut-être, mais auquel cas elle est incompétente, c'est possible, hein. C'est pas jugé. Et là... Ok. Ok, c'est deux portes. Très bien. Non, en courant. Non. Alors, d'abord, j'étais un coup d'œil à cet étage. Mais t'as vu qu'il y a une cinématique. On ne devait pas quitter cet endroit. Une table. Qu'est-ce que ça peut être ? Je pense que je pourrais aisément ramper sous cette table. C'est, je veux dire, en plus d'avoir un piano à la place de l'écran, c'est évidemment la première chose qu'on aurait à l'esprit en voyant une table. Moi, je vois une table dans un salon avec genre des assiettes, la bouffe dessus. Premier truc que je me dis, c'est, le premier truc que je me dis, c'est... Ah, je pourrais facilement me ramper sous cette table. Ah, ça grave stylé. Si seulement je rampais sous cette table. Heureusement que c'est pas une table basse, bien vu. On va tirer pour la galette des rois. Et juste la galette des rois. Ah. Alors, c'était presque. Je préfère laisser tranquille. Oh non, j'étais debout, je voulais jouer du piano. Le bonhomme aime les choses anciennes. Oh mon dieu, ce sont des premières éditions de romans de chair. Le roi du bronze, la ville sous la neige. Waouh! Je paierai très cher pour les avoir. Attends, tu peux peut-être allumer... La cheminée est vide, je pourrais allumer un feu si j'avais un peu de bois. Mais d'abord, je vais les ramper sous la table. Une bête imposante, tout comme cette maison. Je vois qu'ils prennent grand soin de leur alcool dans cette maison. Je crois que je viens de résoudre l'enquête. Finalement, Daniel n'est pas passé par ici. Ta 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 ta. Des tonnes de romans d'histoire fantastiques, clairement mon genre préféré, mais aucun de ceux-ci n'est aussi bon que ceux qui crient cher. J'ai un appareil photo semblable, mais celui-ci n'est que décoratif. Ce globe doit être vraiment vieux. Ces livres ressemblent au genre de livres qui me tiennent éveillé toute la nuit. Je vois un tas de grands livres de grammaire et de linguistique. Ça doit être la section E pour ennui. Ouh, la vanne. Ça fait mal. Ah, j'ai mal dans ma vanne. Si Usher était là, je lui demanderais de m'en signer un. Ces épées me rappellent les dessins animés préférés de mon fils, comme Bambi. Merde alors, le tiroir est bloqué, je ferais mieux d'en graisser les côtés.
Je vais lancer une partie Dead by Daylight pour voir si je peux récupérer de l'huile. Donc toi que cher opère sa magie, tout semble si ancien. Où je cherche de la graisse, de l'huile. Ok. Dans la cuisine, je dirais. Ça serait trop simple. Je pense qu'on peut trouver de l'huile dans des écuries. Ou alors sous la table. Il arrive sous la table à quatre pattes. Ah, je cherche l'huile. Il entend un petit rire derrière lui. Oh non. Non, cette valise appartient à un invité. Ah, c'est pas le point. Mais le mec, il se pose des questions. Entre le « Oh, une table, je me mets très bien à quatre pattes en dessous. » Et le « Ah, une valise. » Ça appartient à un invité. Ah, un petit vélo, petit garage. À mon avis, on va avoir de l'huile, là. On va pouvoir engraisser des choses, là. En deux mots. Ce vélo est assez vieux. Il devait appartenir à Usher ou à sa femme. Pourquoi il appartiendrait pas à son enfant, ce vélo? Je sais pas pourquoi ils sont pas partis ensemble, je suis d'accord. D'accord. Surtout qu'elle a dit, je dois y aller, tu vois. Jolie bécane, je serais pas contre en avoir une comme ça. Et il va falloir que tu te mettes à quatre pattes sous la table d'abord. Fonctionnement de la chaudière. Panneau supérieur, appuyez sur le bouton gauche, démarrage. Sur le bouton du milieu, vidange, appuyez sur le bouton droit. En cas de dysfonctionnement empêchant le bon fonctionnement de la chaudière, vous pouvez procéder à un arrêt d'urgence. En maintenant le bouton bleu en 5 secondes. Ok, c'est l'air d'être aux F. Not gonna happen. Le chauffe-eau ne peut pas faire grand-chose sans électricité dans la maison. Ah. Dis-moi qu'il y a de l'huile. C'est mon esprit. C'est mon esprit. Waouh, c'est très hermétique, je ne peux pas l'ouvrir à main nue. Enfin, tournevis. Attends. Oh, attends. Fus 1. Ça... Ça me dit quelque chose, Odile. Rempli d'outils, tout fait un tournevis à tête plate. Ok, très bien. Ce serait trop marrant. Franchement, il n'y a pas de tournevis. Il y a une radio qui marche pas. Il y a une boîte, on n'en sait rien. Ok. Oula. Non. Non. Ah, une boîte à outils. Peut-être le premier. Peut-être que je vais trouver un tournevis à tête plate dans la salle de bain. Peut-être en savait-il à faire refaire sa... Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, la salle de bain avec un tournevis. Ces choses me donnent des frissons. Quel cauchemar a pu inspirer le peintre? Regarde le chat. Par exemple. Ça fait beaucoup de bagages. Je cherche de l'huile là. J'ai coincé parce que je trouve pas de l'huile. Oh bon. C'est vraiment ça mon enfer. Bon attends. On a pas fait ça? Ah rien, j'ai pas vu cette porte. Avec la perspective. Oh! Nouvelle découverte! Quelque chose. Qu'est-ce que. Vous entendez ou pas? Vous entendez ou pas? Ça gratte? Ça gratte. Saul. C'est faux, il y a marqué hélas. Réalisé par Benjamin. Par le Benjamin de Cher. Ben ça. Ça a l'air grave stylé. On dirait quelqu'un Aladdin sur son tapis volant, mais que genre il y a tellement de vitesse devant lui que le tapis s'est replié devant et qu'il hurle et du coup comme il a pris de l'altitude et qu'il est au-dessus des nuages et à cause de la pollution les nuages sont noirs.
Je vais t'offrir un monde. Ah. Un prince Albert. Qu'est-ce que ça peut bien faire ici? C'est pas très hygiénique comme endroit pour... Mais non, je n'exprime pas ce genre de... Un homme métallique, on dirait un homme métallique ordinaire. J'espère qu'il n'a servi qu'à une seule personne. Je suis nullement surpris de voir des livres dans cette cuisine. Au moins, on dirait des livres de recettes. Des recettes de smoothie, j'espère. Ah! On peut mourir de l'essai ou... Non, parce que... C'est l'électricité, on est d'accord. Parce qu'il va pas mettre son doigt dans la flaque électrique. Qu'est-ce que c'est? Tu vois? J'ai vraiment cru qu'il allait mettre sa langue sur la flaque, tu vois, sur l'eau de la flaque. Qu'est-ce que... On dirait un... que je meurs. Tu vois? Je ne peux pas éponger avec ça. Ouh! J'ai peut-être cru pendant deux secondes. Hein. Des légumineuses et des conserves. Plus sains que ce que j'avais l'habitude de manger quand j'étais jeune. Bah oui, quand j'étais jeune, j'avais pas de table. Bizarre, ils ont des boîtes d'aliments pour chiens. Je n'en vois aucun. Oh! Bidon d'huile! Clé! Clé porte. Porte, ok. Huile, clé. Ok. J'ai l'impression qu'on est dans un bateau. Pourquoi j'ai envie de moins rigoler? Quel était ce bruit? Vaut mieux de jeter un œil avant de le regretter. Pour coller votre oreille contre la porte, approchez-vous quand l'icône d'écoute. Maintenez. En écoutant, faites attention aux sons qui proviennent de l'autre côté. Tout le monde a sa couche. Tout le monde a sa couche. Est-ce que tout le monde a sa couche? Est-ce que tout le monde a ses couches? I need to check out what that noise was. Je dois aller vers le danger. Mais d'abord, je vais mettre ma langue sur la flaque électrique. On dirait que la voie est libre. Ok. Désormais, vous pouvez écouter ce qui se passe de l'autre côté. Parce qu'avant, vous n'aviez pas d'oreille, mais aujourd'hui, grâce à vos mutations, vous aurez l'opportunité de le faire avec d'autres portes. Faites attention aux icônes. Avec un site majuscule. Quand il y en a une de l'autre côté, et une à côté. Ok, attends, quoi? Vous aurez parfois l'opportunité de le faire avec d'autres portes. Attention aux icônes quand il y en a une à côté de vous. Utilisez votre carte pour trouver votre chemin. Elle enregistre tous les lieux que vous avez explorés pour l'ouvrir. Utiliser, appuyer sur L. Ok. Nouvelle perk, oreille. La carte sera mise à jour en permanence avec des informations pertinentes. Et pourtant, je lis le chat. Il doit y avoir quelqu'un dans la maison. Oui, alors, je sais pas, fini de. Pas ouvrir. Ok, ok, il a tout de suite expliqué que maintenant c'est. Go la clé. Très bien. Est-ce qu'il faut que j'écoute à toutes les portes? Je pense que c'est très loin. Non, je cherche pas quelqu'un, je cherche ma dignité. Donc je vais aller à quatre pattes sous la table pour la chercher. Et maintenant, puisque j'ai de l'huile. Ah, oh, gigatop, j'ai trouvé. Ça fait toc toc. Ça fait bim bam boum. Ok. Je vais utiliser un bidon d'huile tout entier, tu vois, très bien. Ça fonctionne comme un charme. Mais mec, t'es vraiment chelou, je te jure. Je te jure que t'es giga chelou de ouf. Moi aussi, je fais ça avec une clé.
Ok. Ça, ça va. Est-ce que Maya est le genre de personne à avoir facilement peur? Je suis. Pas du tout. Who could be calling? Je suis pas là. Hello? Who is this? I can't understand a thing. What is this? We can't leave my room. How the... What in the hell? Sounded like a child. Was that... Et il lui a raccroché au nez. Oh, faut qu'il m'appelle à l'aide. La prochaine fois, tu t'exprimeras mieux. Tu vois... Vraiment. Utilise sujet, verbe, complément. Nul. il me faut une clé. Faut-il la clé? Là, on va faire la chenille qui redémarre. Là, je vais aller dans la... Mais attends. Alors, c'est juste loin. Faut-il une clé, là? Alors... Je suis pas trop motivé. C'est déjà, c'est déjà ouvert. Quand je vais à la clé. Ok. Bien se passer. Un album symphonie. The Yali qui tourne un disque. Cher. Le plaisir coupable. Tournevis. Tête plate. Non. Alors pourquoi? Pourquoi y a ce son? Pourquoi y a ce son? Ancien radio, le fusil, je parie que Cher est inspiré pour écrire cette histoire. Donc. Wow! Cher adore chasser. Voilà une vraie vitrine. Avec la musique. Je veux pas, mais... Julia, j'ai vu notre portière. En passant devant la salle à manger, j'ai soudain entendu la musique de la boîte à musique de papa. Quand je suis entré, j'ai vu la porte, j'ai couru prévenir maman, mais à notre retour, elle avait disparu. Elle m'a grondé pour avoir inventé cette histoire. Ce n'est pas juste, je disais la vérité. Il y avait une vieille porte ici, différente des autres. Il y avait même une clé dans la serrure. Si la porte réapparaît, je la passerai et je la laisserai ouverte. De cette façon, maman me croira. J'ai vu la porte. Bizarre que Julia... La porte dont Julia a parlé, déjà. Celle qui n'était pas là avant. Très bien. On va me corriger cette grammaire. Ok. Daniel, is that you? Alors, quelque chose essaie d'entrer. Assurez-vous que la porte ne s'ouvre pas pour augmenter votre force. Appuyez à répétition sur A. Quand vous vous sentez assez fort pour pousser et bloquer la porte, appuyez sur RT. Ok. Il a de bons réflexes quand même pour connaître.